tout le monde. Alors là, je vais vous faire un petit point sur ce que j'ai, enfin sur mes nouveaux arrivages que je viens de planter. Enfin, nouveaux arrivages, oui et non, parce que ça fait enfin 2 semaines. Comment ça arrive petit à petit. Puis là, ce matin, j'ai eu un peu de temps. Il y avait un peu de soleil. Je dis, allez, hop, j'y vais. Donc voilà, je vais vous faire un petit point. Donc c'est pas fini. C'est encore qu'un début. Enfin, qu'un début. Un beau début quand même. Hein. Avec tout ce qu'il y a déjà. Donc voilà. Alors ici, en fait, je suis à l'entrée du sous-bois. Donc j'ai mis des plantes forcément qui ne demandent pas forcément du plein soleil. Ici, j'ai mis alors un sureau noir. Donc voilà, tout est petit. Hein. D'un côté, la reprise sera meilleure aussi, le fait que ça soit petit. Donc un sureau noir. Et de chaque côté, j'ai mis deux. Alors, ça doit être deux cassissiers à gros fruits. Donc voilà. Donc là, pour l'instant, j'ai mis ça ici. Après, on verra si je mets autre chose de plus petit après, parmi. Enfin, là, déjà, ça sera pas mal plein. J'ai plein de petits recoins en sous-bois qui sont en mi-ombre, voire ombre, voire des clairières. Donc, suivant les arbres, vous allez voir, j'ai des trucs qui vont arriver qui ne sont pas du tout communs. Alors, il y a des fois, ça sera que les graines, parce que bon, on ne trouve pas forcément l'arbre. Et puis, histoire de gagner un petit peu de sous aussi, souvent, quand on prend des choses petites, on gagne quoi? 1 an, peut-être 2 ans. Donc, le principal est d'en avoir certains grands qui vont donner des fruits déjà avant. Et puis, après, le reste aura le temps de pousser tranquillement. Voilà, pendant ce temps, hein. Et puis, tous les petits, comment dire, tout ce qui est framboisier, cassissier, myrtillier, tout ça, après, une fois que j'en ai déjà une bonne base, une fois qu'ils vont être assez grands, hop, je ferai des boutures avec et on en remettra encore ailleurs. Enfin, voilà. Donc, ici. Alors là, ça doit être un jujubier. Je crois que j'ai dû mettre ici. Je vérifie. Alors, ici, c'est un jujubier. C'est bien ça. Alors, il y en aura sûrement au moins un autre, parce que j'essaye toujours de mettre par deux. Le plus possible, hein, j'essaye. Après, voilà. Ma bourse, elle est plus qu'affaiblie. J'y arrive même, je suis plus en négatif, mais bon, c'est pas grave. Hein? On va rattraper ça après. J'essaye de planter un maximum et puis après, comme ça, je pourrais au moins avoir une bonne base qui va pousser le plus rapidement possible. C'est pour ça que je plante énormément, énormément là en peu de temps. Mon but, c'est que ça devienne, voilà, que dans de 5 à 10 ans, on va dire, j'arrive à avoir vraiment ma forêt fruitière, quoi. Je commence à avoir un peu d'âge quand même, donc du coup, il va être temps. Alors, si je veux au moins avoir ça pour la retraite. Donc ici, j'ai mis un pamplemoussier. Donc, j'essaye. Normalement, il supporte moins 7. Il n'est pas complètement en plein soleil, parce que je l'ai mis dans la clairière. Je ne sais pas si on voit ici. En fait, là, j'ai une clairière. Donc là, pour l'instant, il est à l'ombre, mais il ne sera pas toute la journée à l'ombre, hein, suivant où ça donne. Et puis, le matin, il devrait avoir un peu de soleil, normalement. Enfin, j'espère. Si je vois que c'est pas assez, je verrai. S'il faut que je le déplante ou pas. Enfin, j'aime pas trop déplanter, mais enfin bon, on verra. Donc ici j'ai mis un pamplemoussier, mais je l'ai mis là parce qu'il serait plus à l'abri du vent. Donc on va voir. Est-ce que ça sera bien ou pas? Donc là, puis bon, ici j'avais déjà ici, je crois que c'est un prunier que j'avais mis ici. Là. Donc j'en mettrai un autre, donc soit par semis, soit par voilà, je sais plus. Si j'en ai commandé un, parce que j'ai commandé beaucoup de choses là dernièrement. Donc il y a des choses qui vont venir. C'est pour vous dire, je vais même venir d'Australie. S'il y a des choses que j'ai pas trouvées en France, mais qui supportent le grand froid, mais au niveau comment, enfin, survie. Bon, c'est vrai que ça fait venir de loin, mais une fois que ça va être implanté en France, bon, je suis pas la seule à l'avoir implanté, hein, je pense pas. Je vous dirai ça plus tard. Ça permettra de réintégrer certaines espèces que l'on n'a plus et qui supportent pourtant nos climats. À condition que ça ne soit pas arrêté à la frontière, bien sûr, parce que l'Australie, pour ça, c'est un peu. Alors, on verra bien. Alors, j'espère que ça va pas être arrêté, parce que je vais perdre des sous. Ici, alors, c'est un bambou géant. Donc, là, c'est un particulier qui vendait ça. Donc, je l'ai trouvé sur eBay. Parce que c'est très cher, les bambous, et d'autant plus quand ils sont géants.
si on veut une belle touffe. Mais là, il y avait une belle racine. Il l'a pas vendu trop cher non plus. Donc voilà. Donc aussitôt je suis allée le chercher, aussitôt il était planté. Donc voilà, ça fait un petit moment qu'il est en pleine terre là. Donc on va attendre. Et je l'ai mis là parce que je l'ai mis de façon à ce qu'il n'aille pas trop courir chez les voisins directement. Mais normalement, il devrait faire des cannes de 10 cm de diamètre une fois adulte. Et il devrait atteindre les 15 mètres de haut. Mais voilà, c'est en condition optimale. Après, on verra ce qu'il va nous faire ici. Donc là, je vais couper. Je vais vous reprendre un petit peu plus loin. Ça ne sert à rien de garder, enfin voilà, de prolonger la vidéo pour si peu. A tout de suite. Donc voilà, me voilà rendue. Alors, pour vous situer un petit peu, derrière la serre, là où j'ai commencé à mettre. Voilà, donc je composte dedans, hein, vous avez vu. Hein. Donc ça sera peut-être pas prêt l'année prochaine, mais au pire, ça sera prêt l'année d'après. Je mets tout ce que j'ai. On verra bien ce que ça donne. Voilà. Donc il faut que je remette après du foin dessus. Donc voilà, on n'est pas là pour parler de ça. Donc ici, j'ai mis un cognassier d'Angers. Donc j'en aurai au moins un autre à planter. Donc voilà, donc c'est des coins. Hein. Donc à la base, je ne suis pas très forte sur le coin, mais bon, moi j'ai des hommes qui aiment ça à la maison. Puis bon, voilà, je vais retenter. Hein. C'est des mauvais souvenirs, ça. Voilà. Donc un cognassier ici, donc il devrait être bien parce qu'il est pas trop en courant d'air normalement et il arrive à avoir du soleil déjà, là on le voit déjà, il a du soleil. Donc ok, et puis ici, donc ici il y a le poirier et juste à côté du poirier, entre le poirier et l'amandier, donc c'est pareil, j'aimerais bien mettre un deuxième amandier par la suite, on va voir. Entre le poirier et l'amandier, en fait, ici, j'ai mis un goji à gros fruits. Donc, il est tout petit pour l'instant. Donc, on va voir ça. Donc là, je n'ai pas encore paillé. Ceux-là, ils sont arrosés. Je viens juste de les planter, mais je vais les pailler après. Là. C'était pour mieux voir les étiquettes. Le temps de vous dire à peu près. Donc, ici, là, on se redirige, en fait, vers les figuiers que j'ai mis la dernière fois. Puis, plein d'autres petites choses. Alors, depuis, j'ai encore planté, dont ce matin. Donc ici j'ai mis, je regarde l'étiquette pour pas me tromper. Ah oui, alors là en fait il y a deux gommis du Japon jaunes. Voilà, donc là je sais plus ce que j'avais mis là-bas, voilà, mais j'avais déjà dit dans la dernière vidéo. Donc deux gommis du Japon jaunes. Ah oui, si c'est un chèvrefeuille, je crois, comestible, ici que j'ai mis. Ici, hop, je ne sais plus si je l'avais dit dans une des vidéos. Alors ici. Hop. C'est un... Ah oui, bah oui. En plus, je le sais. Hein. C'est un effilié du Japon. Voilà, il y a beaucoup de choses du Japon, là. Entre les gommis du Japon, le néflier du Japon. Et il y en aura d'autres, parce que je fais aussi en parallèle tout ce que je peux... Je fais en semis. J'achète une fois ou deux l'arbre et après je fais des semis. De façon à ce que j'ai des arbres dans tout le terrain qui rapportent des fruits. Ce que je veux est autonome aussi pour les poules. Donc il y a certains fruits que je prends qui seront peut-être un peu moins bons pour nous, mais qui pourront être très bien pour les poules. En plus de l'amarante que je vais mettre, en plus de qu'est-ce que je vais mettre encore, la consoude. Que je vais mettre en grosse quantité, petit à petit, hein, bien sûr, hein, ça, je commence, donc qu'est-ce que je vais mettre encore, enfin bon, bref, plein de petites graines ou petits fruits faciles à ramasser, voire même le long du grillage, je vais leur en mettre aussi, peut-être, mais bon, je ne veux pas trop leur, parce que comme elles sont déjà en sous-bois, je ne veux pas trop leur enlever de soleil, donc je remettrai seulement à un endroit, comme ça, si ça tombe dans l'enclos, bah, tant mieux. Si c'est des ronces, peut-être qu'après j'essaierai de faire monter des ronces. Voilà, ils pourront manger au moins des murs, voilà. De toute façon, je m'arrangerai petit à petit. Hein. Voilà, le but c'est d'être autonome un petit peu pour tout. Donc ici, j'avais deux gommis du Japon jaunes. Et ici, j'ai mis deux gommis du Japon, mais cette fois rouges. Donc voilà, il y a quatre gommis du Japon. Et un, je viens de le lire, j'ai encore oublié, un néflier du Japon, je crois, c'est ça. Un néflier ici. Je trouve que c'est super joli la feuille.
Ça fait des sacrées grandes feuilles. Donc là, c'est bon. Donc là, je vais remonter sur la butte. Donc là, c'est ce que je vous disais. Là, c'est tous les pêchers de vignes que j'ai plantés. En tout, donc sur la butte et un petit peu redescendre, il y en a 7. Donc là, ceux-là, je ne les ai pas achetés. Hein, ils viennent de chez moi. Ils poussent au pied de mon pêcher que j'ai devant. Donc voilà, j'essaye d'en planter. Puis bon, si je vois qu'il y en a qui ne prennent pas, il y en aura sûrement d'autres au pied. Bon, en espérant qu'ils prennent. Hein. Donc j'ai commencé à pailler. Et de toute façon, je vais essayer de pailler partout après, là, parce que j'avais des ronces, c'est pour ça que là, j'ai mis aussi un peu de carton. Je vais repailler par-dessus après. J'ai pas mal de ronces ici, donc je vais éviter qu'elles poussent de trop, quand même, pour envahir surtout mes petits plants. Au moins le temps que les arbres grandissent, ça serait dommage qu'ils soient envahis. Et puis, là, c'est pareil, je pense que je vais... Même si c'est un coin que j'aime bien pour ramasser quelques plantes sauvages, bon, j'ai l'avantage, j'ai grand terrain, donc il y a d'autres endroits qui pourront être laissés sauvages. Mais je plante partout, même en sous-bois, il va y avoir des choses. Voilà, je dis pas tout de suite. Voilà. Ça va partir de sous terre jusqu'à peut-être un peu avec des grands arbres, mais donc justement les grands arbres, c'est pas facile à caser, il faut les mettre en à l'orée d'un bois, le mieux, ça serait mieux, et puis bah qu'il fasse pas de l'ombre au reste. Donc on verra comment je vais après m'arranger pour tout mettre. Bon, après peut-être que moi je les connaîtrai pas de la taille adulte, hein. C'est possible. Oh, quoi, pourquoi pas, je suis éternelle. Alors ici j'ai mis, alors là je l'ai pas acheté en fait, une agapanthe cristal. Alors, je suis désolée pour le vent. Ah mince, je voulais vous cacher un peu le vent, mais voilà. C'est une agapanthe cristal retombante. Donc là, c'est un cadeau, parce que comme j'ai commandé pas mal d'arbres, donc du coup, ils m'ont mis ça en cadeau. Ici. Donc pour l'instant, il y en a un, mais il y en aura au moins un autre, je pense. Ici, j'ai un argousier. Alors, je ne sais plus lequel, hein. C'est... donc un argousier autofertile. Alors, il est autofertile, mais autofertile ou pas, j'en mets souvent au moins deux. Je me méfie des autofertiles, c'est comme les kiwis autofertiles, ça. C'est, ça prend ou ça prend pas, et la plupart du temps, ils prennent pas. Le mieux, c'est de prendre mâle et femelle. Donc voilà. Donc j'ai mis à côté du plaqueminier, c'est comme ça qu'on dit, je crois, oui, du plaqueminier, qui est en fait un kaki. Voilà, j'ai un kaki ici, mais j'en ai deux autres aussi un peu plus loin là-bas. J'aime bien le kaki, c'est bon. Donc à côté j'ai un figuier. Ici, c'est un musa d'Ajiao. Alors, celui-là, je ne connaîtrai jamais adulte. Ça peut monter très 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 haut. En fait, c'est un cocotier, mais qui donne des petites cocos de la taille de 2 cm. Et malheureusement, il faut qu'il soit très vieux pour donner les cocos. Et puis les cocos, il faut être acharné pour les ouvrir, il paraît. Donc bon, ben celui qui aura le terrain, voilà, après, il aura des cocos. Voilà, il faut voir grand. Ici, alors j'ai planté, alors c'est pas pamplemousse, je sais que c'est pas pamplemousse, pourquoi c'est marqué pamplemousse, ah oui, non, c'est des nectarines plates, donc en fait c'est des brugnons quoi, si on veut, mais plats, c'est pas, donc j'en ai mis, alors c'est des jaunes, j'ai mis deux nectariniers, donc voilà, il y a les pêchers un petit peu plus loin, donc là j'ai mis les nectarinières, donc là elles ont le soleil aussi, elles devraient être pas mal, elles vont être en plein vent, mais on va voir, de toute façon on verra ce qui se plaît, ce qui se plaît pas. J'ai essayé de faire au mieux par rapport à mon terrain. Alors après je redescends le long de la butte, donc là c'est pareil, hein, c'est en plein soleil. Donc là c'est un pommier, alors c'est un pommier rosette, donc la chair de celui-ci est rouge. Donc ça fait une espèce de rosette à l'intérieur, c'est assez joli, c'est pas très gros, un très gros pommier, donc ce qui est très bien c'est qu'il va pas monter trop pour ce qu'il y a derrière, c'est pour ça que je l'ai mis là. Donc ici c'est ce que je vous avais dit, j'avais des framboisiers, donc celui-ci en fait c'est le des branches de mon framboisier que j'avais de là-bas, pardon, c'est des rejets, pardon, et puis j'en avais mis trois autres en folgole. Donc ce sont des remontants et c'est des framboisiers jaunes.
Donc là, il y en a trois autres. Juste à côté, j'ai mis un autre pommier. Alors celui-ci, ça doit être le Red Devil. Donc c'est pareil, c'est un rouge. Hop. Comme moi, à la base, c'est un verger ici. Hein. J'ai pas mal de pommiers de base. Non, mais qui commencent à être vraiment très vieux. Donc l'année dernière, j'ai eu très peu. Cette année, j'ai eu très peu de fruits. Mais bon, l'année n'était pas terrible non plus. Donc je replante quelques pommiers. Il y en aura 8 à peu près en tout. Donc là, le rosette, le Red Devil. Donc ici, après, tout le long de la butte, il y a des cynorhodons, même si on ne les voit pas. Hein. Voilà, c'est des rosiers sauvages où le fruit est comestible. Donc voilà. Puis ça fait une haie qui pique aussi, donc c'est très bien. C'est pour ça que j'ai mis là aussi. Donc ici, j'ai planté... je crois que c'est le Sichuan que j'ai parlé. J'ai planté ici un poivrier de Sichuan. Donc il est tout petit. Je pense que j'en mettrai au moins un autre, voire deux, parce qu'il existe deux variétés. Je vais voir ça, parce que je vais à la maison du bananier la semaine prochaine. J'ai vu qu'ils en avaient, donc voilà. Puis il y a mon fils qui fait cadeau aussi pour Noël, normalement d'un bananier. Donc on va voir. Bon, après c'est pour tout le monde, hein, mais bon, voilà. Moi j'aime autant que ça soit des cadeaux utiles, donc juste ici j'ai un cerisier en fait, hein. Je crois que c'est un pur rouge, je ne sais plus ce que j'ai là, donc là je l'avais déjà planté, hein. Ça fait un moment que je l'ai là, oui c'est un burla, donc voilà, un petit cerisier qui est là, donc il ne m'a pas encore donné de cerise, hein, il est petit, donc en espérant qu'il se plaise. Donc pour l'instant ici c'est tout. Qu'est-ce que j'ai planté d'autre? Bon, je vais couper, je vais regarder si j'ai planté autre chose. Et puis, si j'ai fait le tour, je sais même plus au bout d'un moment. Si j'ai fait le tour, ce que je vais faire, je pense que oui. On ira faire un petit tour de jardin, voir où ça en est un petit peu. Voilà, à tout de suite. Ah, je voulais vous faire voir quand même mes framboises là. Alors c'est d'autres que j'avais, j'ai plusieurs sortes, je ne sais pas ce que c'est comme ça, mais elles sont assez grosses celles-ci, hein. C'est pas comme celles que j'avais déjà dans le terrain, elles sont assez grosses, elles sont énormes, et c'est des remontantes, donc du coup j'en ai maintenant, on arrive début novembre, j'ai des framboises, mais franchement je vais vous faire voir, j'ai encore des courgettes, c'est quand même dingue quoi, le temps il est bizarre, mais bon. Autant j'ai pas eu grand chose cet été que je vais pas me plaindre que ça vient maintenant. Hein. Voilà. Donc j'ai pas grand chose. Bon, les framboises. Et puis après c'est des choses que j'ai plantées, mais j'avais déjà fait un point la dernière fois. Donc avec le pistachier. Ici j'ai des groseilliers. Enfin voilà, j'ai pas mal de choses. Mes semis de tanaisie ont bien marché aussi. Hein, donc malgré les comment. Et pourtant j'ai semé directement sur place. Malgré mes gastéropodes en nombre énorme. Mais voilà, sur le nombre que j'ai semé, j'arrive à en avoir d'autres. Mais il faut vraiment semer. Donc quand je prends des lots de graines, 3000 graines, ça ne me fait pas peur. Hein. Vaut mieux que je mette 3 à 5000 graines. Et puis sur le lot, après une fois qu'elles vont partir, quand ça va regrainer, bon après ça va être parti. Il faut le temps que le jardin... arrive à se faire, hein. C'est tellement récent, donc là j'en ai d'autres aussi, donc un peu parmi, hein, voilà, parmi mes patates, donc là j'en ai mis aussi, donc là j'essaye de mélanger aussi, donc voilà la tanaisie, je vais mettre, après je vais mettre beaucoup de, comment dire, de plantes aromatiques, un petit peu partout pour tromper mes petits, c'est pas des nuisibles, mais pas mes petits nuisibles, mais mes petits mangeurs de plantes, hein. peu importe lesquelles sont, c'est pas très français, c'est pas ce que je voulais dire, mais bon, bref, j'arrive pas à trouver ce que je veux dire, il y a des fois je trouve pas mes mots, donc peu importe s'ils sont dentelés, s'ils ont des dents, s'ils sucent mes feuilles ou autres, peu importe lesquelles, la seule chose c'est que je vais essayer de tromper un petit peu leur odorat en leur mettant plein de plantes, je vais leur mettre aussi de l'absinthe et tout, après une fois que je vais avoir un certain nombre,
de thym, de tout ça. Après, je vais faire des boutures de façon à ce que ça ne monte pas trop vite non plus, hein. J'ai du romarin devant, j'ai un gros romarin, c'est pareil, je vais en ramener aussi derrière. Voilà, en plus ça rampe, donc je pense que le romarin, j'en mettrai là-bas, là où j'ai mis certains arbres, ça fera un couvre-sol. C'est pareil, j'ai acheté une consoude c'est une consoude naine, qui va me faire aussi un couvre-sol et qui me servira aussi pour tout ce qu'on a besoin, voilà, que ce soit pour les poules, quand il y en aura beaucoup. Bon, après, voilà, faut le temps que ça se fasse, hein. Il faut, sur ce genre de comment dire, de culture, hein. Donc moi, à la base, le potager ne sera qu'un plus. C'est-à-dire les tomates, tout ça ne sera qu'un plus. Parce que, bon, déjà, comme vous avez pu le voir, je peux réussir à me débrouiller avec ce que je trouve dans la nature. Voilà, entre les glands, voilà, on m'a donné des châtaignes en plus à côté. J'ai pas encore de châtaignes dans mon châtaignier, trop petit. Mais bon, ça viendra. Et puis au pire, on est en campagne. Donc voilà, il suffit d'aller faire un petit tour autour et on trouve plein de choses. Mais rien que dans mon terrain, je trouve énormément de choses. Entre les champignons, entre les glands. Si je ramasse tous les glands, je peux tenir une année juste avec les glands, quoi. Il n'y a pas de problème. Vu le nombre de chênes, moi, c'est des forêts, une forêt de chênes, hein, chez moi. Donc. Voilà, j'ai des glands partout. Donc, si je veux des glands pour une année, voilà, en cas de disette, je peux vous dire que voilà, il n'y aurait pas que moi qui les ramasserais, on serait tous à les ramasser et ça serait notre nourriture de base en attendant d'avoir autre chose. Mais bon, en plus des patates, de tous les tubercules que j'ai mis, et il y aura d'autres tubercules aussi par la suite. Voilà, j'essaye de mettre pas mal de tubercules en espérant que tout se plaise. Et voilà, bah je fais des essais, je prends beaucoup de choses en perpétuel que je n'ai pas ressemées, que ce soit des oignons, que ce soit de l'ail, que ce soit. Je prends énormément de choses en perpétuel. Donc voilà, c'est un choix. Moi, mon but, c'est. Le jardin doit rester un plaisir. Et je veux pas y passer tout le temps, surtout qu'on a de la surface. Je veux pas y passer non plus. Donc là, pour l'instant, je passe beaucoup de temps, c'est vrai. Mais après, je vois comme un plaisir, puis je peux encore le faire. Donc, et c'est tellement, enfin, ça me fait tellement plaisir de mettre tout ça. Tant que je peux, c'est à mon portefeuille que ça fait moins plaisir. Mais moi, ça me fait énormément plaisir. Je m'éclate à planter. Pour vous dire, après, en ce moment, je peux dire que je m'éclate à planter parce qu'il pleut tellement de toute façon qu'allez, je donne un petit coup de pelle, comme c'est des petits. Voilà, c'est pas des grosses choses que je plante, donc pour l'instant. Donc en fait, c'est très facile à planter, ça rentre comme dans du beurre. Donc là, oui, je m'éclate à planter et j'ai hâte de voir que ben, tout ça, une fois que ça aura grandi, franchement, j'ai vraiment hâte de voir tout ça en fleurs, en fruits et de lever le bras pour cueillir les fruits ou les ramasser. Enfin voilà, retour chasseur-cueilleur. Voilà. Ouais, mon rêve, c'est ça. Voilà. Il y en a qui ont d'autres rêves. Moi, mon rêve, c'est d'être dans un jardin d'Éden avec mes animaux. Et alors, je suis pas plus fleur bleue que ça, hein, je vous rassure. Hein. Non, mais c'est que j'aime bien la nature. Et puis, si quelque part, je pense qu'elle nous le rend au centuple, si on lui apporte aussi quelque part, voilà, de l'amour, hein, parce que c'est une forme d'amour, hein, de lui replanter en fait ce qu'elle nous donne. Le problème, c'est que jusqu'à maintenant, on prend, mais on redonne pas. Donc, à un moment donné, il faut donner aussi. Donc là, je donne à la terre. Et quand je plante comme ça, je sais très bien que normalement, au bout d'un moment, on va avoir trop de fruits pour nous, on va avoir trop de choses pour nous. Et ben, au contraire, ben, ça me permettra de donner autour de moi, de faire plaisir autour de moi, et peut-être d'aider autour de moi en cas de besoin, si je peux d'ici là, quoi, si le terrain le permet. Voilà. Mon but, enfin voilà, je vois plus grand que pour nous. Donc on va faire un petit tour dans le jardin, vite fait. Bon, je vous emmène avec moi. Donc ici, c'est pareil, j'ai mes mandariniers qui sont là. Donc j'en ai déjà mangé une. Là, j'attends un petit peu, mais je vais pas tarder à la manger aussi. Elle était super bonne. Donc voilà, mandarinier Tatsuma. Donc là, c'est pareil, hein, j'ai trois tilleuls normalement.
Bon, il y en a un que mon homme m'a ratiboisé, donc j'ai mis un tuteur depuis. Mais bon, il faut savoir que le tilleul, hein, les feuilles se mangent. Hein. Voilà, c'est comestible. Donc, il y a plein de choses, en fait, que beaucoup ne connaissent pas, que moi, je ne connais pas non plus. Hein. Je suis loin de tout connaître, même si je fais beaucoup, beaucoup de recherches. Je fouine pour trouver des choses exceptionnelles, de façon à ce que j'ai plein de choses. Donc, voilà. Donc, le jardin. Bon, forcément... Il y a du boulot, il y aura du boulot à refaire, mais j'ai encore des roses qui arrivent, franchement. Voilà, une rose qui vient de fleurir. J'ai des courges, donc là, celles-ci, elles sont petites, mais voilà, j'ai des petites courges qui sont là en train de pousser. Là, j'ai une belle courge. Alors, celle-ci, je vais la laisser grossir. Même si je la perds, même si un coup de gel, on ne sait jamais, tant pis. Elle est grosse, donc je la laisse, parce que c'est la seule que j'ai eue d'aussi grosse cette année. Elle vient que maintenant, mais bon, il suffit qu'il y ait un coup de gel, on ne sait jamais. Mais je veux récupérer les graines. C'est au moins, elle aura été habituée un coup à la sécheresse et un coup à la flotte. donc voilà, donc ici j'ai encore des choux. Il y a toujours quelque chose, parce que bon, même moi, les feuilles de capucine, les fleurs de capucine, j'adore ça. C'est super bon à salade. J'ai encore des blettes. Qu'est-ce qui me reste? Donc des choux, des blettes. Qu'est-ce que j'ai encore? Bon, voilà. J'ai encore, voilà, des courges qui arrivent. Est-ce qu'elles vont avoir le temps de venir? Ça, c'est encore autre chose. Mais on verra bien. Donc là, j'ai encore des choux. Donc tout ça, c'est des choux. Des choux d'eau banton, bah, c'est l'avantage, j'ai rien à faire. Bon, c'est un peu le bazar, hein, forcément. Hein, parce que bon, bah, maintenant, on arrive en fin de saison du jardin. Il y a la consoude que je mange aussi. Donc voilà, que je peux mettre en salade ou pareil, en légumes. Qu'est-ce que je mange encore? Là, les blettes, elles sont pas très belles. Elles ont été pas mal mangées. Mais bon, j'en ai d'autres devant aussi. Là, c'est pareil, j'ai d'autres courges qui sont en train de venir. Mais bon, je pense pas qu'elles auraient le temps de venir. Voilà. Donc ici, j'ai pas. Après, j'ai des choses qui poussent sous terre, on voit pas trop, hein, mais voilà, les topinambours, la poire de terre, les ocas du Pérou. Qu'est-ce que j'ai mis ici? Donc là, c'est pareil, ma chayotte, hein, ma Christophine, bah, elle a pas fait de fruits, je sais pas si elle en fera cette année. Je sais pas si je l'ai bien exposée. Alors, je verrai, ça se trouve, j'en prendrai d'autres que j'exposerai ailleurs. De toute façon, je fais des essais, puis de toute façon, je pourrais faire des boutures après, je pense, de ma chayotte. Donc, j'essaierai aussi les boutures. Voilà, de toute façon, j'essaye de bouturer, et puis ça prend pas. À l'intérieur, c'est pareil, j'ai fait venir c'est une sorte d'épinard... perpétuel, oui et non. Si on les laisse dans le jardin, ça sera de l'annuel. La seule chose, c'est qu'en fin de saison, pour être sûr qu'on les récupère, ce qu'on peut faire, c'est prendre, parce que ça prend super bien, j'ai fait venir d'Allemagne. Donc, normalement, c'était avec des racines, mais je sais pas pourquoi, il a pas pu me les envoyer avec les racines. Donc, au lieu de m'en mettre 4 comme c'était prévu, il m'a demandé avant, bien sûr, il m'a mis 20 boutures, et franchement, je les ai replantées en une semaine. Tout est en train de se redresser pratiquement, je crois que tout est pris. Donc c'est de l'épinard, c'est une sorte d'épinard perpétuel. Je vous redirai le nom plus tard. Donc on peut mettre en pleine terre l'été, et puis, enfin au printemps. Et puis ben, une fois que ça grandit, puis si vraiment... pour être sûr de ne pas les perdre, bah, il suffit de refaire des boutures, en garder vraiment enfin, voilà, en intérieur aussi. Et ça permet de repartir des boutures en cas de besoin. Donc voilà, bah, écoutez, au niveau du jardin, voilà, pour l'instant c'est à peu près tout. J'ai d'autres semis à faire, donc je verrai après pour vous faire un point. Là c'est déjà tous les semis que j'avais fait. Mais bon, j'avais déjà fait une vidéo dessus, donc j'en reparle pas. Et voilà, donc ma serre, c'est pareil, j'étais surprise tout à l'heure, j'ai dit tiens, c'est bizarre, c'est mouillé dans la serre, j'ai pas arrosé. Bah ouais, elle commence à affaiblir la toile, en fait, bon, c'est une renforcée, donc elle pète pas comme ça,
mais on va dire tous les petits carrés, en fait, entre les carrés, ben voilà, il y a des petits trous qui sont sur le dessus, voilà, parce que ben, je pense que c'est avec le soleil, hein, elle a commencé à cuire. Donc bon, bah, elle va tenir le temps qu'elle durera, on verra bien. En attendant, je suis en train de faire monter de la vigne dedans, donc ça fera une serre naturelle, au pire. Donc voilà, le but c'est que ça soit au moins à l'abri du vent, et on verra bien. De toute façon, j'ai des choses normalement qui résistent par chez nous, même en serre. Je les ai mis en serre pour que ça aille un petit peu plus vite, que je les ai plutôt dans la saison. Donc si vraiment, voilà, puisque ça va être chaud de remettre une bâche, là, faut que j'enlève tout. Enfin, puis toute seule, je vais avoir du mal, j'y arriverai pas. Donc voilà, bon, on verra bien. Elle durera le temps qu'elle durera. Ah, voilà. On fera avec. Donc voilà, bon, autrement, c'est tout au niveau du point. Voilà, j'ai plein de noisetiers qui poussent partout. Je les vois bien, les noisetiers, mais je sais pas, c'est des dizaines et des dizaines de noisetiers par endroit. Tant mieux. Une fois qu'ils vont être partis, je vais avoir de la noisette. Hein. On pourra faire du lait de noisette, c'est déjà ça. Même si on n'a pas de vache. On n'a pas de vache, on n'a pas de chèvre, c'est pas grave, on pourra faire du lait végétal. Entre les noix, les amandes, si elles viennent bien, si j'arrive à les avoir. Les noix, les amandes et puis les noisetiers. Après, j'aurais aimé prendre un noix de pécan aussi qui tient par chez nous. Donc, je verrai par la suite. Donc voilà, écoutez, moi je vais aller mettre mon foin sur mes cultures que je viens de planter là. Et puis après je vais me rentrer. Allez, à plus tard, salut, à la prochaine. Je voulais vous faire voir quand même, parce qu'on arrive début novembre. Je ne pensais pas les avoir, mais voilà. J'ai des figues là encore, qui sont encore vertes. Mais regardez, j'en ai qui commencent à mûrir. Donc voilà, j'en ai déjà mangé une. Elles sont bonnes. Début novembre, j'y crois pas quand même. Donc voilà. Ben c'est bien, je suis contente. Allez, à plus. Début novembre. Voilà. Petite courgette. Donc voilà, qui arrive encore. Voilà. Donc franchement, c'est... Le temps, il est bizarre quand même, hein. Bon, on va s'adapter en espérant que celle-ci grossisse et que je puisse récupérer les graines. Donc, on verra bien. Donc, ici, il m'en reste encore des petites choses. Mais voilà, ça va monter aussi. J'ai quelques courgettes aussi violon normalement. Donc, on va voir si elles vont venir. Je vois que j'ai des petites courges qui commencent aussi à venir ici. Est-ce qu'elles vont avoir le temps de venir? On verra bien. Voilà, ça fleurit encore. Enfin, bon, bref... j'ai un cornichon là que j'ai oublié de ramasser. Il faudra que je le ramasse. Donc, puis ici j'ai encore des fleurs de capucine, des capucines, des cosmos. Oh, derrière aussi il y en a pas mal de cosmos. Bon là commence à être défraîchi là maintenant, mais voilà, il y en a encore. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Oui, j'ai mangé une fraise aussi là-bas. Début novembre, c'est pas mal. Ici, ben là, j'ai de la chicorée qui commence à sortir son nez. Donc, ça va me permettre d'avoir un peu de salade. Donc, ce qui est bien, c'est que j'ai pas besoin de la ressemer ou de la replanter. C'est qu'elle repousse tous les ans, celle-ci. Et là, j'ai laissé grainer cette année. J'ai récupéré quelques graines aussi. Donc, j'en mettrai sûrement derrière. Et donc, normalement, avec la racine, on peut faire aussi de la chicorée, hein, une sorte de café. Donc, voilà. Donc bon, pour l'instant, voilà. Ici c'est surtout des bambous, mais les bambous, hein, comme je le dis à chaque fois, il faut savoir que tous les bambous sont comestibles. Donc vous n'avez pas à vous tromper en principe. Hein. Donc après, il faut regarder où ils poussent, hein, parce que ça pompe dans le sol. Donc forcément, si c'est un sol qui est pas net, rempli de métaux lourds, il vaut mieux éviter de les prendre. Mais tous les drageons, en fait, qui poussent, hein, comme là, bon, normalement, ils ne devraient plus trop en pousser maintenant, mais ils en poussent encore. Voilà, quand ils sont jeunes, si vous rentrez le couteau facilement, vous les faites cuire, vous pouvez les faire bouillir et les manger après, c'est très bon. Donc voilà, j'ai encore des concombres qui viennent, mais voilà, ils sont de la taille de cornichons, mais c'est pas grave, je les récupérerai quand même, je les laisse pour l'instant, tant que ça donne, je laisse.
Voilà. Parce que c'est là qu'on voit qu'il fait doux, hein. Il pleut beaucoup chez nous, là, mais il fait doux. Donc voilà, ça vient encore. Bon, ici, bon, le périlla commence à être défraîchi. Et puis, donc là, les blettes, bon, elles sont pas assez au soleil ici, mais bon. Voilà, j'ai encore des blettes, hein, qui viennent. Et puis voilà, un peu de... Là-bas, je dois avoir un peu d'aromatique aussi. Donc voilà, bah écoutez, c'est tout. Je vous laisse et je vous dis à une prochaine.